Pas de poursuite judiciaire contre Cyril Ramaphosa. Après 2 ans d'enquête, les procureurs ont annoncé qu'ils ne poursuivraient pas le président sud-africain, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. L'affaire a éclaté en 2022 lorsqu'un ancien responsable des services de renseignement et opposant au président Ramaphosa a déposé une plainte contre lui. Il l'accusait alors d'avoir tenté de cacher aux autorités le vol de 4 millions de dollars en espèces qui a eu lieu dans sa ferme située dans la province de Limpopo. Cyril Ramaphosa était aussi accusé de tentatives de kidnapping et de corruption. Malgré une enquête qui a duré près de 2 ans, la procureure de Limpopo estime qu'il n'y a aucune perspective raisonnable de condamnation sur la base des preuves contenues dans le dossier. En 2022, ce scandale avait terni l'image du président qui se présentait comme un fervent défenseur de la lutte contre la corruption.